Moi c'est Dave, je suis bassiste. Moi c'est Alex, je fais la guitare. Moi je suis Pat, je joue du drum. Moi c'est Eric, je joue de la guitare. Moi c'est KJ, je suis chanteur. Vous venez de sortir du stage de l'Agité pour votre premier show de 2012. Comment ça s'est passé? Ah, c'était cool, ça, on est vraiment contents. La foule embarquée, c'était chaud. Ouais, il y avait pas mal de monde, c'était vraiment sérieux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Québec en plus, puis dans le fond, on avait fait une coupe de ville, puis on avait bien aimé ça, mais c'est tout le fun de revenir chez nous, parce que c'est là que le monde le plus cool sont. Genre nous. En plus, les jeunes de Québec ont eu droit à une exclusivité, c'était que des nouvelles chansons, et pourquoi? Parce qu'on vient de finir un CD, on vient de sortir de studio, puis c'est ça, on voulait présenter du nouveau stock tant qu'à faire. On voulait se faire plaisir, là, changer de la routine, sortir avec notre gros stock. On a une grosse promo aussi, l'album qui va sortir bientôt. Surtout déstabiliser les fans. Tu sais, quand t'as plus de temps de jouer, même les trucs, on leur fait rajouter du gros stock, on va être comme ah, je trouve que l'on peut en faire. Vas-y, surprise. Ok, je suis une privilégiée dans la vie, j'ai entendu ce nouveau CD qui devrait s'appeler Midnight Sun. Il sort quand? On sait pas encore. En 2012. On est plus rendu côté promo. Ouais, on commence la promo, puis on regarde quand même ça va se diriger, puis on va fixer une date pendant les prochaines semaines ou mois. On se laisse un petit peu de temps pour regarder les opportunités qui s'offrent à nous. On va faire de quoi de le fun à Québec. On n'est pas pressé, tu sais, le monde finit pas cette année en plus. Ouais, ça, ben on est jusqu'au mois de décembre. Ben c'est sûr que ça va sortir en 2020. Mais quand, c'est inconnu. Vous êtes tannant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben regarde, ça fait un bout qu'on est talent de même, puis on a encore du monde qui nous aime. C'est le mystère. C'est quoi un peu l'histoire de Withering Curse? En gros, on peut faire simple. C'est moi, Alex, Pat, on a commencé ça en 2006. Le Dave, on a trouvé Dave comme premier bassiste, c'est pour mal. D'entre-temps, on a eu un petit problème de chanteur et des groupes. On est pas mal rendu avec un nouveau chanteur, c'est Kevin Simon. Un an plus là. Exactement. D'ici là, on avait un ancien CD qui s'appelait Against My Will, on a enregistré un nouveau CD qui s'appelle Midnight Sun. On va en aller plus tôt. Ouais, c'est super. Mystère. Vous avez tourné un clip pour Phoenix Fire. Ouais. Comment ça a été? Ah, il faisait fret. Ok, la soirée faisait chaud, là, il faisait fret. Jamais parfait, là, c'était les deux extrêmes. Mais c'était vraiment le fun, puis les clips ont eu une bonne réaction à sa sortie. Ça a un bon support du public. Combien de views pour le fun, là? 10 000, je pense, présentement. On a eu 20 000 en 2 semaines, dans le fond. Puis ça, avec notre premier clip, Against My Will, qui avait quand même pogné, on était contents. Mais là, 20 000 en 2 semaines, ça passe pas. En tout cas, on souhaite bien gros que Phoenix Fire va surclasser Against My Will. Comment ça a été de travailler avec Matt Charland? C'est un gars qui sait ce qui s'en va. Professionnel au bout. C'est un bel homme aussi. Tu vas le dire, hein? J'espère qu'il va l'écouter au moins, qu'il sache qu'est-ce que je pense de lui. Je vais y envoyer, inquiète-toi pas. Non, mais ça va parce que ça m'allait, ça va pas mal. On n'a rien eu à dire, il est arrivé avec le produit. C'est la meilleure expérience de tournage qu'on a eu vraiment. Ouais. Non, sérieux. Le résultat, on est encore sur le cul en checkant. Il continue de monter, puis c'est encore sous d'autres lectures. Ça fait notre bonheur. On aime ça. Faites-moi pas rire, faut pas que je fasse bouger la caméra. Ok. Comme j'ai fait avec les autres groupes, je vous dis un mot et vous me dites en un mot qu'est-ce que ça représente pour vous. J'ai plein de mots en tête. Vas-y. T'as plein de mots en tête? Ça t'en est pas. Ok, Facebook. Bitchage. Drama. Ouais, drama. C'est pas Facebook qui vous a amené plein de millions de fans? Ben non, Facebook nous a mis du drama en masse. Il y a des millions de fans, mais c'est parce qu'on leur écrit des emails personnels à chaque fois. Hey, ça te tente que tu deviennes notre fan. Non, mais sérieusement, c'est cool. C'est peut-être depuis 2-3 mois, là, ça monte en flèche, ça arrête pas. Ce qui est cool, c'est que c'est pas du monde de Québec. Ouais, du monde un peu partout dans le monde. On se voit plein d'emails de bons commentaires. Ah ouais, qu'on est pas capable de lire. Ouais. C'est vrai que Facebook, dans le fond, ça nous a quand même ouvert à des places qu'on pensait même pas qu'à un moment donné, il y a du monde qui pourrait écouter. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, on marquait sur notre page, tu sais, likez-la et partagez-la. Puis là, on s'est ramassé pendant un bout qu'il y avait 1200 personnes qui parlaient de nous autres. Tu sais, là, les fans sont mis à monter, puis ça va arrêter. Une chance, j'ai dit de dire un mot, hein. Ben, regarde, c'est pas tout repassé. Facebook, c'est comme un peu le nouveau MySpace. C'est là que ça se passe. Ah, c'est vrai. Vinyle. Peut-être un jour. Un mot. Iron Maiden, parce qu'Iron Maiden sort tout le temps des vraiment belles éditions. Un mot! Un mot! Un! Collection. CD. Midnight Sun. C'est ça, mon. C'est pas grave. Ça compte pour un. Deux mots pour moi. C'est bien fait. C'est 10. Ah, 10. 10, ça pourrait porter à confusion. Je n'en vois pas. OK. 5 à 4. Withering Curse. Vous êtes trop concept, là. OK. Ajoutez. Radio X. Oh, yeah. Ah ouais, sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Ah, moi je dirais belle. Belle, c'est bien. Il y a des bons runs. Belle relève. Ils sont toutes beaux, ça. Tu sais, il y a un down par un bout, là ça. Là, il y a fun, là, tu sais, il y a plein d'événements partout. Donc plein de nouvelles personnes. Tu sais, avant, ils expliquaient pas des shows locales, même, avec District 7, mettons. Avant, il n'y en avait pas, puis là, il laisse de plus en plus de place dans cette bagage, puis c'est le fun. Un mot, un mot. Bon, ben là, je vais arrêter, là, parce que... Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres en... cette année sortie du CD? Y a-tu d'autres choses? Un mot. CD, show, pas mal de show. Ben non, là, c'est plus un mot, ils sont corrects. Pas mal de show, il y a de la nouvelle merch qui s'en vient. Une collection complète. C'est de sortir pas mal le plus possible de Québec aussi. Ouais, il y a des shows assez poignés le plus qu'on peut, sinon... Un lancement aussi. Ouais, un lancement. Ça, là, on prépare de quoi? Un beau lancement avec la belle scène de garde. Bon, vous êtes trop nébuleux, on arrête ça là, merci. Merci.